Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Et nous en sommes à l'épisode 3. Comme d'habitude, je vous conseille une petite collation. De quoi boire, pourquoi pas? Parce qu'on va se retrouver au minimum une demi-heure ensemble et peut-être plus. Souvenez-vous, on devait braquer un train. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout si on va bouger et quitter cette partie enneigée. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la suite, c'est maintenant. Allez, on est reparti, on retrouve notre petit gang et on va voir un petit peu ce que ça va donner. On a Mika juste à côté, on va follow les frérots les gars. Tiens, je vais peut-être follow le boss. Voilà, Dutch mon pote, on est là. Quand vous chevauchez avec la bande, appuyez deux fois sur croix pour aller vers l'avant du groupe et appuyer sur R1 pour revenir vers l'arrière. Il y a trop de touches les gars, j'ai déjà oublié. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Allez, c'est parti. Braquage de train, notre premier braco. Et là, ça risque d'être incroyablement, je dirais même plus, incroyablement compliqué parce que on a appris tellement de choses. Je suis d'ores et déjà à l'ouest, c'est incroyable. Et j'ai beaucoup discuté avec les camarades Jojo, Fufu et tout petit Quenty. Et on est tous d'accord, il y a énormément, peut-être même trop de choses. Ils ont pensé à trop de choses. Ça fait un bourrage de crâne d'informations. Par contre, waouh, ça reste incroyable ce qu'ils ont fourni en termes de boulot, les musiques, le petit côté cinématique. Ah, il n'y a plus de neige là-haut. But we need to get this done fast. Now it's thawing. Ça commence à fondre. Before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. Incroyable. Mettez en 1440p les amis ces vidéos. Incroyable ce qu'on est en train de voir. Casse-toi toi. Je suis à deux doigts de... Eh oh! Oh, tu me respectes un peu hein. Mais c'est incroyable. Et puis rien que là, la transition neige-non-neige, ils le font tellement bien. Regardez, c'est encore un peu enneigé, mais pas trop. Tu sens, tu vois que ça commence à fondre à vue d'œil. C'est impressionnant. La qualité graphique du jeu, les gars, vraiment. Mettez en 2K, vous êtes obligatoire. Vous êtes dans l'obligation, pardon, parce que je ne sais pas parler français. Hein, on est en 1899, je vous rappelle, mon français n'est que approximatif. Vous êtes dans l'obligation de mettre en 2K, les gars, vraiment. Hein. Ok. C'est bon signe, on va enfin quitter la neige. Oh, waouh. Oh là là, c'est un délire, c'est un délire. Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Hold. On y va les gars. Est-ce que je laisse mon cheval ou pas? Peut-être laisser mon cheval, non? Ok. Je pense qu'il est mieux de... Ah, je sais pas, j'aurais pu descendre par ici.
On va le laisser, on va le laisser. Au moins, je suis sûr qu'il est pas cané, le bordel. C'est parti, on va caner, on va voir Bill. On va cavaler, pardon, on va voir Bill. Je sais pas, les gars. C'est terrible, il y a des horaires comme ça où j'en perds mon français. C'est incroyable. On va voir Bill, on va voir ce qu'il a à nous dire, le frérot. Oh, il est en train de dynamiter tout ça. Hein. Oh, il se régale. Hein. J'ai plus d'endurance. Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Regarde le nombre de bâtons de dynamite. Ça va péter, je vous le dis, les gars. Ça va arracher des fesses. C'est moi qui vous le dis. Tout ça pour un petit peu d'or. Les gars, hors la loi pour toujours, encore une fois. Hein. Reliez le fil au détonateur, mais pas de soucis, chef. Hop. On est multifonction par ici, les gars. Le détonateur est juste ici. Moi, je flipperais un peu. On n'est pas si loin que ça. Des rails, rien que le bruit, ça doit être hyper fou dans les oreilles. Je sais pas, hein, j'ai rarement utilisé de la dynamite. Le pire que j'ai utilisé, c'est des bisons 4, frère, tu vois. Mais ça s'arrête là. Vas-y, pose-nous ça. Hein. Ok, on va connecter tout ça. Ils sont allés trop loin, les gars. Vraiment, ils sont allés trop loin. Ok. Va rejoindre les autres, je m'occupe du reste. Très bien. C'est parti, on se cassos, les gars. 25% vers le niveau 4, c'est plutôt cool. Ça commence à monter, donc faut courir. Pour courir toujours plus loin, toujours plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais en train de... Oh la vache. J'étais en arrêt cardiovasculaire. Je connais bien ça, les gars. Everything okay? I think so. Okay, formatez ça, les gars. Train should be here any minute. Maintenez L1 pour afficher la roue des armes. Ok. Je suppose qu'on va prendre ça. Non, pardon. La roue des objets, pardon. D'accord. Sélectionnez les vêtements avec R. Appuyez sur L1 pour revêtir le déguisement. Il y a trop de... Les gars, vous êtes... Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me! Where did you find that moron? You said it was fine. It was my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Allez, bon, on y va, yep, les gars, c'est pas grave. On va essayer de le rattraper, sauter dessus, sauter sur le train. Oh putain, les gars, ça c'est excitant. J'aurais assez de barres d'endurance, les mecs. Allez, on y va, les gars. On y va, les bros. Go! Oh non! Johnson! C'est terminé pour lui, fin de l'aventure. On est plus que deux. On va aider le frérot, le rouillabaisse. Allez, viens, Lenny. Ok. Ok, désolé. Faut appuyer plusieurs fois sur croix. On est pas mal. Bon, nous voici dans le train. Maintenant, ouais. Ok, on va passer par ici. Ok. Hop, moi je suis là. Rien à foutre. Vas-y, hein, frère, avance. Hein. T'inquiète, je suis là. Hop, voilà, mon pote. Ok, j'y vais. Merde! Hop, une petite patate! Non, mon chapeau! C'est un chapeau en édition collector! Ok, c'est bon. C'est bon, Johnson. Ok. Ok, mon pote. Allez, ça dégage. Ça dégage, mon gars. Quelqu'un veut me tester? Quelqu'un veut me tester? Hein? Quelqu'un d'autre? Ok. Vas-y, je fouille tout le monde. Ok, ça c'est fait.
Là, on a des trucs explosifs, qu'est-ce que c'est? Je fouille aussi. C'est quoi cette histoire de fil pas mal branché, les gars, là? Eh, personne m'accuse ici, hein, vous me respectez, hein. Ok. Maintenez je ne sais quoi et appuyez sur carré pour escalader les obstacles. Ah non, c'est L. Putain, joystick gauche. Joystick gauche, forcément L pour left. Oh, oh, oh. Écoute, calme-toi, cowboy. Bonne jauge de son froid sur un. Désolé, my bro. Ok, on bombarde. Toi, je te fous, frérot. Toujours prendre le temps d'aimer. L'envie d'avoir envie. On me donne l'envie. Ok. Ah! Oh putain, il m'a fait tellement peur! Wesh! Ok. Éliminer le conducteur du train. Bam! Allez! Il m'a fait tellement peur! C'est bon, c'est terminé pour lui. Oh non! Oh, c'est fini. Hein. Le pauvre, il a juste défendu son train, putain. Ok, arrêtez le train. C'est pas fini. Bam! Regardez, regardez. Boum! C'est magnifique, c'est juste. Ok. Marie Laude. Ok. Je t'ai vu là-haut. GG. Mon chapeau. Mon chapeau. On voit ça après. Ok, on voit ça après, les gars. Là, je veux mon chapeau. Je suis plus le même homme. Ok. R1 pour vous mettre à l'abri. Oh yes. C'est bon, ça commence à rentrer. Regardez à droite. Voilà. Deux kills en un. Je crois qu'il y a un gars là-haut. Ok, on va cavale. On va se mettre à l'abri ici. Ça commence à rentrer, les gars. Ça commence à rentrer le gameplay. Ça commence à être plus fluide. Je sais pas où mettre à l'abri. Je sais pas. Il savait même pas. Regardez ça, regardez ça. Ok, c'est un pote. Ok, c'est un pote. GG les gars, ok, ils m'ont rejoint. Je veux mon chapeau les gars. Moi je continue pas là, on arrête là, hein. On arrête le let's play. Hein. Si j'ai pas mon... C'est hors de question. Hein. Si j'ai pas mon chap-chap les gars. Il est où mon putain de chapeau? Mais non les gars. Attends, c'est pas celui de l'édition collector, sinon je brûle tout. J'en ai rien à foutre. Ok, on va rejoindre les frérots là-haut. Je suis hyper fâché, hein, vraiment. Putain, je suis plus le même homme. Non, franchement, je suis plus le même homme. Je suis dégoûté, ça me dégoûte. Qu'est-ce que vous planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our own. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Okay. Ah, c'est pas mal ça. On peut bombarder, c'est pas mal. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Okay. Now don't matter too much to us. Allez, viens, mon frérot. But you boys in there might want to take a step back. Tout est dans les détails, hein. Hop, je pose ça là, mon frérot. Seems good enough. Now light the fuse. Ah, ça va résonner dans leur bouche, hein. Unless you got a death wish. Ok. Regardez l'allumette, rien que l'allumette par terre. J'en ai rien à foutre, je bouge pas mes oreilles. Ah. All right, come on. Just walk on out here.
Désolé, je m'étais avancé, j'étais prêt à buter tout le monde là-dedans. We didn't want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Ok. Allez, on y va. Mais casse-toi. Il est sérieux, il m'a mis un coup de pression. On est des amis ou pas? Ok. On y est. Yo, les gars. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes, should be easy as. Ok, on a forcément des choses ici. On a par exemple une lettre. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, lire. Mettez pause, les gars, pour la lire si vous voulez tout savoir. On a quoi par ici? On a un petit cigare, on prend. Peut-être de la marque, ça vaut peut-être le coup. On a une montre goussée, on prend. Ça se revend sûrement. En platine. On va la lire, voilà, mettez pause. Ok. On est pas mal du tout, on a un cigare là, tiens, je le vois d'ici. On va fouiller le meuble avant. On peut pas prendre le cigare? Non, pas ouf. Ok, on va fouiller ce meuble là. Oh, il y a un petit renard. J'adore les renards, les gars, faites jamais de mal aux renards. Ok, on a un coffre. On a un coffre, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là, mon ami? Ok, je prends. Je ne sais pas c'est quoi, mais on prend. Une obligation. Ah! Hop, on ferme le meuble. Vous portez déjà le maximum autorisé pour cet objet. Il n'y a pas de souci, mon frère. Rejoignez la bande. D'accord. Rien de ouf, en vrai. Ah, attendez, attendez, attendez. Vous l'avez vu? Un brandy de qualité. Bien sûr, les gars. On prend, hein. Just waiting on you, Arthur. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Ok. J'ai le choix de vie ou de mort sur eux. Occupez-vous des gardes menacés. Ok. Get on the train, quick. Je vais pas les tuer, hein, les gars. Je vais pas les tuer. Faut pas oublier que dans ce Red Dead Redemption, les gens se souviennent de nos choix. Donc, si on est trop méchant, le jeu devient plus compliqué, je pense. Allez à la locomotive pour mettre le train en marche. Ok. On y va. Je suis bientôt level 4. Putain, on a fait tout ça du train, sérieux? Là, je suis vraiment sympa. Non, mais bien sûr qu'on va les laisser vivants, les gars. On n'est pas là pour les tuer. Faut pas déconner. Quoique, j'ai reçu un coup de pelle, frère. Ok, on y est. Et c'est parti. On démarre le train. Ciao, les noobs. Ça dégage, je veux plus vous voir. Allez. Salut, mon pote. Et il y a mon cheval. Par contre, mon chapeau. Les gars, triste fin. Je ne saurais jamais où est passé mon putain de chapeau. On va en acheter un autre, mais... Merde, c'était mon chapeau de début de jeu, j'étais si fier de l'avoir. C'est du véritable velours de 1772. Putain, terrible. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one.
Ring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. J'ai retrouvé mon chapeau! Get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Allez, c'est parti, bienvenue dans le monde incroyable! De Red Dead Redemption 2. On y va. Maintenez croix pour vous caler à la vitesse de celle de la caravane. Oh là, je divague. Désolé les gars. J'ai déjà fait faire une cascade. Ok, tapotez croix pour accélérer. Tapotez R1 pour ralentir. Aucun souci. On va accélérer un tout petit peu. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je pensais qu'on était plus loin que ça. Aucun problème. Enfin, c'est bon. Faut nous sortir de l'eau. Attends, frérot. Ok, ne t'arrête pas, mais avance sans appui. Aïe! Oh non, c'est une blague! C'est fait exprès, assurément. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles. Okay. Let me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold the wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Hop, on va la remettre en place. Et vous avez rien vu, les gars. Hein. Ça, c'est un problème de courroie. Je connais bien. Un boulon de 13. Et voilà. On est bon. Ah, j'avais pas les bonnes jantes. J'étais en 39 pouces. Ça suffisait pas. C'était pourtant hey, évident. You ain't so useless after all. Not quite. Ah. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Des Indiens? Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Okay. On est reparti, les amis. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left. Allez à Horseshoe Overlook. Ça y est, les gars. Vous pouvez choisir différentes tailles de radar. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. C'est même mieux un gros radar. This is the heartland we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them. It was every blade of grass. Older. Herded up to the reservations in the middle of nowhere. Ah, c'est pour voir la distance. Je comprends rien à la barre du bas. Vraiment, j'ai pas saisi. Ah non, ça fait un dézoom. D'accord, mais ça, je crois que c'est. En gros, vous voyez la tête. C'est-à-dire qu'on se rapproche de notre objectif. Arriver à droite, c'est qu'on est arrivé à bon port. Ok, bon, on va laisser écouter son petite histoire là, les gars. Sa petite story, parce que ça m'intéresse. I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about.
Allez! So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. Vous avez chaud. Cela se remarque grâce à l'icône clignotante en forme de soleil sur votre noyau de santé. Pour éviter d'avoir trop chaud, assurez-vous de porter des vêtements adaptés à l'environnement. Non mais c'est... Ça s'arrête pas! Vous êtes dingue! Vous êtes dingue! On peut carrément avoir trop chaud ou trop froid, les mecs, non? C'est trop. C'est trop. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Okay. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law, eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. Our kind of place. Driscoll's, ah, fille de joie, là ça me plaît là. Pinkertons. Let's hope not. And this place we're going. Wait. What's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Oh, regardez comme c'est magnifique. C'est du temps réel, les amis, là. C'est incroyable. C'est très, très beau. Working on there, anyway. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay, thank you. C'est un putain de délire. Vous avez obtenu des plantes, vous pouvez les consommer pour remplir vos noyaux, les cuisiner ou les utiliser pour fabriquer des objets. La nature regorge de plantes. Oh, à gauche, regardez. Et aux propriétés pardon intéressantes. Découvrez-les tous. Ok, toutes les découvertes que vous avez. Oh putain, attendez, faut aller où? Aïe, ouvrez-la depuis la rubrique des progressions. Il y a trop de choses à lire. C'est terrible. Et ben on est reparti les gars, on reçut le chemin. Attendez, est-ce que par hasard mille feuilles, oh c'est beau ça. Est-ce que par hasard si je fais non pas cela mais... J'ai envie d'ouvrir la carte. Non, on va se... Hop, un accident. Mais y'a un gars, wesh! Il fait quoi, là? Qu'est-ce que je fais? Je fais du hors-piste? Je tente? Non, c'est bon. Je crois que je suis sur un... Ok, je crois que je suis sur une bonne route. Je sais pas trop. Ok, on va continuer. J'ose pas remettre la caméra à droite. Je vais peut-être mourir d'un accident très grave. De chariot, ça serait dommage à mon âge. Ah d'accord, on a rattrapé le chemin, je crois. C'est un délire. Première ville ou village, je ne sais pas exactement ce qui nous attend. Nous y sommes. Ah. Ah oui, c'est ni une ville ni un village, ça, les gars. C'est au pire un campement, mais ça s'arrêtera là. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried
I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. Et des objets de temps en temps. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen you. Vous pouvez dormir, vous raser ou changer de vêtements dans votre tente. Très bien. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Et on va dormir pour save. Et on va aussi s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour le chapitre 2 hors show Overlook. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Got off the mountain. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Hi, Dutch.